Salut tout le monde, c'est The Frag HD. Comment allez-vous les gens? Moi je vais super bien, j'ai vraiment la grande forme. Sachant que je suis tout seul, et ben, j'ai carrément envie de lancer allez, une petite MME. J'ai jamais fait de mob en MME, j'ai envie de tenter une petite mob. Vous aurez sûrement deviné que je suis en live, et c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas proposé de live sur ma chaîne. Alors oui, je vais parler d'une petite chose là qui me tient vraiment à cœur. Je vous explique, à la base cette vidéo là, c'est pas un live où je suis tout seul, où je vais vous parler de plusieurs choses. À la base c'est le 7e, 8e, 9e, je sais plus exactement, épisode tentative mob en live en compagnie de mes abonnés. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai ajouté 5 personnes. Donc les personnes me donnent en fait, pour participer, faut me suivre sur Twitter, me donnent leur PSN. Donc je les ajoute sur le PSN. Il y en a qui, un quart d'heure après que je les ai demandé en ami, m'acceptent quoi. Ils disent désolé, je peux que dans un quart d'heure, désolé, je peux dans 40 minutes, désolé, je peux dans 2 minutes. Ça pour moi, je suis désolé, c'est inacceptable. On me donne pas son PSN quand après on a une natte qui est complètement pourrie et il faut un quart d'heure pour que le mec rejoigne. Donc ça m'a, ce soir ça m'a énervé. Après, finalement, au bout de 3 quarts d'heure, c'est bon. On est tous là sur Skype. Il y en a un en pleine vidéo, il me fait bah désolé mec, je dois aller bouffer nanana, je peux pas. Et il se casse comme ça. Il quitte la partie. Il quitte Skype, il se casse. Donc je trouve. Il me l'avait dit, hein, mais je trouve ça quand même, ça m'a fait chier, je vous le cache pas. Et puis donc je dis bon bah on recommence, on le fait qu'à 4, enfin avec moi 5. Il manquera un abonné, c'est pas grave, j'ai quand même envie de proposer cette vidéo. Et qu'est-ce qui se passe? Donc je commence, je dis donc salut, présente-toi mec. Il me répond pas. Il y a 2-3 personnes qui étaient parties sur Skype. Partie de Skype, il est 21h30, je dois voilà, faire une petite vidéo pour vous faire plaisir pour mercredi, et en fin de compte, bah, je me retrouve solo à faire cette vidéo. Ça me déçoit parce que je préfère travailler avec mes abonnés, je vous le cache pas, plutôt qu'à faire un live tout seul, mais bon, c'est les choses qui arrivent. Donc cette série, tentativement, bon, live en compagnie de mes abonnés, ça me fait chier, je vous cache pas de la continuer. Si on est un petit, c'est pas que j'aime pas, moi j'adore vous faire participer, mais si c'est aussi galère ça et si ça me demande autant de temps, sachant que je vous ai déjà expliqué qu'en ce moment les vidéos ça devient tendu parce que moi je pense un peu à mon avenir, oui je suis en première et le jour où je gagnerai ma vie sur YouTube, et bah ça sera pas cette vie là je pense. Donc je vous le dis clairement, genre je peux pas passer autant de temps à régler tous ces problèmes de oui toi tu peux pas, toi t'as pas un bon micro. Toi t'as une NAS strict donc tu peux pas rejoindre, donc c'est moi qui dois rejoindre ton invite, puis finalement ton micro Skype il est dégueulasse, donc faut que t'ailles t'en racheter un, donc tu dois partir à quelque part pour le racheter, donc tu reviens 3 quarts d'heure après, enfin, c'est exagéré, mais vous voyez ce que je veux dire. Moi je peux pas, je suis pas fait pour ça. Je veux dire, moi j'aime bien les choses qui sont rapides, efficaces. Les gens qui me donnent leur PSN, moi je me dis bon bah c'est bon, ça veut dire qu'ils... Je suis toujours aussi nul le sniper. Moi, tu vois, les gens qui me donnent leur PSN, je me dis c'est bon, ils sont parfaits, ils ont ce qu'il faut. Hop, direct, ils sont là, clic-clac, hop, c'est fait. Et puis, on puis fait cette vidéo, quoi. On va pas passer 2 heures à caler une vidéo, quoi. Mais voilà, je me suis trompé. J'ai pas vu les choses comme il fallait les voir. C'est décevant, ça me fait un peu chier, je vous le cache pas. Bon, je me concentre un minimum. Ah putain, bien joué. Ah là 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 là. Bon, ça m'a énervé, mais bon, on va se détendre pour ce petit live. C'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas proposé de live sur ma chaîne, mis à part hein, le méga Troll of Duty, mais c'est différent. Je me disais bien qu'il manquait un petit truc sur ma chaîne que je faisais souvent, mais qui j'avais pas fait en ce moment. Que je faisais pas, enfin, qu'il y avait où là? Que ça faisait longtemps que j'ai pas fait. Alors déjà, j'arrive pas à parler, mais en plus, il y a un mec qui vient me faire chier. Voilà, merci. Voilà, ok. Bon, on se reprend. Oh putain, il est là. Non, je suis derrière toi. Bien tenté, mais non. Hop, on va se caler là. Hop, voilà. Ouais, c'est... Non, il n'y a pas... Ah, le sniper, 6 kills de mort. Ah oui, bien joué, le sniper. Bon, je tente pas la mob ou quoi? Pourquoi je tente pas la mob? Parce que dès que je commence à vouloir dire oui, tentative mob, nanana, tout le monde s'attend à ce que ça soit un truc réussi ou une putain de partie, tout. Or, c'est faux. Je suis pas un grand joueur. Je suis pas une merde non plus, hein, parce qu'il y en a pas mal qui ont dit que j'étais nul. Je vais vous montrer ce que c'est des joueurs qui savent vraiment pas jouer. Mais je vous dis juste que, genre, voilà, dès que je commence à parler de tentative mob et tout, et bah je commence à me prendre la tête et à faire de la merde. Donc, je trouve ça vraiment pas utile de voilà, moi je pense que, à la base, ma chaîne elle marchait bien. Quand je me prenais pas la tête, quand je faisais, je sais pas si vous vous rappelez, je faisais mes petites vidéos calées. Ah putain, bien joué. Je faisais mes petites vidéos calées, vous étiez posé devant mes vidéos, vous rigoliez ou pas, mais vous... C'est un peu une sorte de tranquillité, vous voyez. C'est genre vraiment histoire de vous rentrer le soir, vous avez envie d'une vidéo, bah voilà, il y a votre vidéo. Et là, je sais pas ce que j'ai putain de fait. Oh là 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 là, ce Samtex. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai collé, mais comment j'ai fait ça? Depuis quand je lance aussi bien les Samtex hein?
Je vais pas faire qu'une partie, hein, je vais essayer d'en faire plusieurs. Enfin, je pourrais vous caler un gros live pour un mercredi, ça serait cool, mais bon, je sais pas si tout le monde arrivera à suivre. Bah, bien joué le sniper, il reste là. Alors lui, par contre, voilà, lui, il avait réussi à m'énerver. Mais je pense que c'est ce qu'il a envie de faire, puisqu'on peut pas bouger son cul depuis le début de la partie. C'est vraiment... Je sais pas comment les gens prennent du plaisir, par contre, ça. Faudra m'expliquer, s'il y a des abonnés à moi qui s'éclatent à faire ça, passer toute leur vie à camper, bah... Expliquez-moi juste comment vous faites pour avoir du plaisir à jouer à Call of sans bouger. Je sais pas, moi je sais pas, je comprends pas. Ok, donc lui, je m'en occupe, je m'en occupe. Oui, voilà, c'est bon. Je vais, donc lui, il va plus me faire chier déjà. À moins qu'il ait foutu une vieille insertion. Probable, non, même pas. Bon, c'est bon, il n'y a plus personne ici. On va pouvoir enfin jouer normalement. Bon, 13 kills, 5 morts, hein, c'est... C'est raisonnable. Comme je vous dis, à partir du moment où je me prends pas la tête et je vise pas un score précis ou un objectif précis, les scores que je fais, ça me convient. Après, je sais quand même que si je... Putain, ah là là, putain, vous faites chier. C'est encore sniper. Il va réussir à trouver son putain d'endroit et venir me refaire chier encore une fois. Ah là là. Ils sont forts, hein, ces gens-là. Bravo, hein. Il y a beaucoup de niveaux sur le jeu. Sauf que moi, je joue à la 4, tu vois, pour... Ce que je me dis, tu vois, je joue à l'AK pour essayer de varier un petit peu les armes, pour... Comme je vous ai dit, je suis un mec comme ça, moi. J'essaie vraiment, tu vois, de pas toujours vous proposer les mêmes gameplays. Bon, là, en l'occurrence, le mode... Bah oui, le MME, ça fait longtemps, enfin, j'ai pas fait beaucoup d'MME. Tiki le sniper pour montrer que je suis fort. Oh putain, dites marqueur, ça va, on va pas en faire 40 000. J'en ai fait 2. Oh putain, mais... Merde, hein. Ok, bon. Oh putain, il y a des balles qui tombent. Ah, il y a des balles qui tombent, putain, je suis bloqué. Ok, bon, j'ai fait 3 hitmarkers, ça pourrait carrément passer dans un vieux fail, parce que 3 wallbang hitmarkers, ça fait chier. Mais bon, tranquille, pas de problème. Attends, je crois qu'il y a des gens qui parlent, j'espère que... Putain, j'espère que vous les avez pas entendus, s'il y en avait qui parlaient, ça fait chier. Je baisserai le son du jeu dans ce cas-là, un peu plus que d'habitude. Oh lolo, il faut que je sois chaud là. Allez, dites-moi que je vais trouver un ennemi, j'ai envie de faire une petite killcam sniper. Il faut pas que je meure. Pour pas que je meure, faut pas que j'ouvre ma gueule. Hop. Oh le bâtard. Bien joué, hein. Petit coquin, voilà, petit coquin, il n'y a pas d'autre mot. Voilà, mais franchement, je veux dire, dès que j'envoie des tombées comme ça, je me dis, allez, seconde chance par chance, mais non, parce qu'il faut qu'il rajoute quelque chose d'encore plus sympa, qu'il faut encore une grosse pression supplémentaire, c'est le main du mort. Et oui, très renommé. Allez, au 44 Magnum, je finis ça vite fait, bien fait, bien fait, bien fait, vite, 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 vite. Hop, couteau, voilà, 21-7, bon bah, 3 de ratio. Faut savoir, c'est ma première partie de la soirée. Je joue plus énormément à la console. On est exactement à 8 minutes de vidéo. J'ai pas envie de vous quitter maintenant. On va continuer sur une deuxième petite MME. Parce que je sais qu'il y a des gens qui trouvent qu'une vidéo de 8 minutes c'est pas si long. Après, ceux qui ont envie de quitter après cette MME parce qu'ils ont autre chose à faire, ils veulent regarder d'autres vidéos, ils doivent travailler, bah, je vous remercie d'avoir déjà regardé ma première partie. Et puis ceux qui aiment bien regarder les vidéos un peu plus longues, je sais que c'est le cas de pas mal d'abonnés, en plus on va sur Dome. Bah voilà, bah, je vous invite à regarder cette deuxième partie. Alors, bon, j'ai pris la K47, je pense que je vais prendre la P90, comme ça, MME j'en ai pas fait beaucoup. Faut savoir aussi que P90 et AK47, c'est des armes vraiment peu vues sur YouTube, hein, on va pas se le cacher. Voilà, comme je vous ai dit, je fais un effort pour les armes, histoire que vous regardiez pas tout le temps des vidéos avec MP7 ACR. Je pense que j'ai compris maintenant que sur YouTube, dès qu'il y avait de la MP7 ou de l'ACR, à moins de s'appeler Gotaga, celui qui va faire la vidéo avec ces armes-là va se faire complètement détruire. C'est vraiment le mot. Hein. Moi, que ça soit Gotaga, là, par contre, il y a aucun souci parce que c'est un joueur compétitif, je sais pas trop quoi. Bon, je sais pas les excuses des abonnés, mais bon. Moi, je sais, j'ai l'impression comme si je parlais, comme si c'était du vécu. Et oui, c'est du vécu. J'ai sorti une vidéo, je m'en rappelle, à la MP7. Bon, alors c'est vrai que j'avais un peu plus ragé que là. Alors là, que je suis complètement détendu, histoire que vous preniez du plaisir à regarder ma vidéo. Je m'en rappelle quand j'avais sorti cette vidéo à la MP7.
je m'étais fait déglinguer, quoi. C'était du 350M, 140 même pas. Et en règle générale, c'était parce que je rageais, mais il y en avait beaucoup, peut-être un quart, qui en fait disait, enfin qui m'avait disliké parce que MP7, il n'y a aucun mérite avec cette arme, c'est une arme trop facile d'utilisation, c'est une arme trop vue sur YouTube, enfin j'ai eu le droit un petit peu à toutes les excuses possibles, donc je me suis dit bon, dorénavant je vais essayer vraiment parce que à la base mes vidéos je peux me les faire, je peux jouer pour mon simple plaisir, mais à partir du moment où je fais une vidéo, je me fais plaisir, mais avant tout j'essaye de prendre en compte vos commentaires, vos critiques et tout pour m'améliorer et pour essayer de faire plaisir à un maximum de ma communauté. C'est vraiment bah, c'est le principal, sinon ça sert à quoi de faire des vidéos? Je suis désolé, mais moi c'est vraiment faire plaisir aux gens et voilà, que les gens s'éclatent à regarder mes vidéos, s'éclatent ou pas, hein, mais. Ok, bon. Donc là ils sont pas là. Ok, bon. Donc, je sais pas ce que j'ai fait là. J'ai bourriné comme un gros porc, tu vois. C'est le truc quand tu sais pas où tu vas. Tu bourrines, tu te fais pas chier. Et ça passe ou ça passe pas. Alors là, par contre, j'ai pas envie de faire le premier pas là-dedans. Parce que je sais que je vais me faire défoncer. Oh putain. Bon, je crois que. Ah! Il y a trop de trucs qui pètent! Courons! Je dis que de la merde. Mais de toute façon, on s'en fout de ce que je dis. Ok, je vais dans le dôme. Oh oui! Non, mais puis qu'est-ce que tu fais là? Bah j'étais dans le dôme. Bah ouais, non mais le problème c'est ce petit poteau là au milieu là, le petit poteau qui fait que vous pouvez aller à droite, le mec va à gauche, vous saurez pas qu'il est rentré dans ce putain de dôme quoi. Ah là là, ça c'est vraiment, c'est vraiment histoire de mettre une petite pression en plus. Oh oui, ce fera de la quad feed. Non, oh, putain. J'aurais bien kiffé. Non, bien joué le Predator. Alors je suis sûr que je les avais. J'en étais sûr que je pouvais les avoir, mais bon. Pour une prochaine fois, j'ai envie de vous dire. Oh là, ils sont dedans. Heures fixes, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix quand vous rentrez là-dedans. De toute façon, vous savez qu'il y a plein de campeurs partout. Et je suis stressé là, je suis stressé, mais à la fois ça me fait plaisir de. Je sais que vous aimez bien quand il y a un petit peu de stress. Oh putain! Oh, les oreilles. Les oreilles, les oreilles. Lalilou, lalilou. Malinou, ninou. Je chante de la merde, je chante rien. C'est pas une chanson. C'est une chanson improvisée. Oh, bien joué, bien joué, bien joué, bien joué. 13-3, ah là là, il n'y aura pas de mob, mais ça je le savais de toute façon. Pour que je vous pète une mob en live, il va falloir que je rejoigne un petit peu plus régulièrement. Et différemment de ce style de jeu, viens vous. Je suis chaud là, putain, c'est pas mal là. J'aime bien la P90, hein. Sur une petite map, je vous la conseille. Ça change de la MP7. MP5 aussi qui peut être pas mal. Quoique j'ai pas vraiment essayé, donc. Je suis sûr qu'il y en avait un là pourtant. Hop. Je vais là-bas, j'ai une chanson dans la tête. Ok, on va. Je sais pas où aller. Je suis un peu paumé là, je vous le dis, parce que j'ai envie de rusher partout. Ah, bien, oh, bah oui! Oh, de toute façon, c'est pas une bonne technique de rusher avec des gars comme ça. Ok, faut que j'aille là-bas. Donc. Oh oui, putain, bien joué, Flo. Je vais. Je sais pas, je crois qu'ils sont à gauche. Ils sont partout en fait. Ils sont partout. Ouais, ils sont derrière moi. Il y en a derrière moi, il y en a devant moi. Histoire de me foutre une petite pression en plus. Ouais, je vais pas tarder à manger, donc ça sera vraiment la dernière partie, je vous le dis clairement. Ma famille m'appelle en discrétion puisqu'ils savent que je fais une vidéo. J'ai pas vraiment de sujet aujourd'hui, mais bon, c'est vraiment histoire de. Putain de. Faire un hitmarker pour. Ok, je sais pas où il est le mec. Ok, ils sont où les mecs? Ah, bien joué, bien joué, bien joué. Je suis à 23-5, je fais un putain de score par rapport à tous les autres membres de mon équipe, mais bon. Bah, c'est bien, justement. Je dis, mais bon, mais rien du tout bon. Tout est bon, tout est parfait, tout est parfait. Ah, putain, ils sont là-bas. Hop, bien joué. Oh, ils l'ont eu. Ils ont fini 23-5. 6 assistances. Bah, écoutez, je vais vous laisser. Je vais pas parler trop de sujets aujourd'hui. Mais je pense que vous avez compris que c'est histoire vraiment juste de faire un petit live. De me réhabituer aussi à parler. Bah tout en jouant, voilà, c'est-à-dire faire un live, me réhabituer un petit peu à cette sensation, parce que ça faisait longtemps que j'en avais pas fait.
Bah dites-moi si vous voulez que je continue, que je fasse plus de live. Je suis encore désolé pour les abonnés, hein, qui étaient censés faire l'épisode avec moi. De toute façon, c'est simple, si vous voulez participer, ajoutez-moi sur Twitter, c'est vraiment simple, rapide. Y a pas, en fait, j'ai pas mal de followers, mais un peu inactif, donc vous avez vraiment beaucoup de chance de participer à ces prochains épisodes. Mais dites-moi si vous voulez que je continue, si vous avez pas une meilleure série pour moi, et aussi si vous voulez que je continue à faire des lives. Voilà, je vous laisse, c'était The Frag, allez, ciao tout le monde, bye. System. The Frag, t'en as qui rentre là. Ah, là, la voiture. Elle a pas pété, putain. Ah. T'as pas vu. Oh, deux, tu peux faire deux là. À gauche. Oh. Là, il m'a vu. Vas-y, troll le. Oh non. Non. Oh, vas-y, mec. Il va se tourner les gars. Le bouclier pas loin. Oh là là, qu'est-ce qu'il fait? Moi, je me serais déjà retourné depuis une heure. Oh là là, mais comment il peut. Ah, mais normal avec son. Oh, il y a un